Alors, je ne sais pas pourquoi tu es là, ni d'où tu es réveillé, tu étais endormi dans une forêt. Enfin, je ne sais pas pourquoi tu es là, mais bref, voilà. Hein. Mais qui n'a pas de répartie, bref, c'est brave. Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Jojo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play pour mon deuxième let's play alternatif à Kingdom Hearts parce que j'ai envie de changer simplement et aussi parce que j'avais envie de me détendre un peu, de faire un petit let's play détente pour changer hein, simplement. Comme vous pouvez le voir, je ne parle pas très haut et surtout je ne suis pas comment en mode foufou. Non, non, c'est... Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve sur Limbo, qui est un petit jeu en noir et blanc, que je vous expliquerai le principe juste après. Enfin, bref. Oui, j'avais envie de faire un petit let's play détente pour, comme il dit, pour me détendre un peu, pour me calmer. Donc, il dirait... Parce que j'ai besoin d'être un peu de calme, parfois ça arrive à tout le monde de vouloir un peu de calme. Et je me suis dit que, vu que ça, j'ai redécouvert Limbo il n'y a pas longtemps, je me suis dit que bah, ce serait bien de faire une petite aventure sur ce jeu. Partager cette aventure d'ailleurs avec vous, que je redécouvre un peu Limbo. J'ai redécouvert un petit peu Limbo il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Pour vous dire, voilà, j'ai fait, je dirais, les 5 ou les 6 premiers chapitres. En gros, pour vous expliquer un petit peu le principe de Limbo, les chapitres vont se former sur des tableaux. Un tableau sera constitué d'une épreuve, une sorte d'épreuve où le but est simple. Il faut avancer. C'est le but, voilà, de Limbo est simple, c'est d'avancer à travers la forêt qui aura plein d'épreuves que j'appelle des pièges pour être franc. Même si pour l'instant c'est pas vraiment des pièges. Au début c'est pas vraiment des pièges, hein, c'est juste des trucs, un chemin qu'on doit se faire pour avancer. Et petit à petit il y aura des épreuves plus dures et on pourra mourir. Donc voilà. Donc on a une touche, on a comment, les touches du clavier, hein, les croix directionnelles, les flèches plutôt. Haut bah pour haut, droite pour droite, et contrôle qui est le bouton action pour prendre les objets et interagir avec eux. Bref. Donc ce sera pas un let's play très long, hein, ce sera pas très très long. Je pense que au bout de un peu moins d'une dizaine, non peut-être beaucoup moins d'une dizaine. Ouais, je pense que au bout de 5 ou 6 épisodes, je pense que l'espèce sera terminée. Mais voilà, ce sera pas long, mais au moins ce sera cool. On sera en mode cool sur Limbo. D'ailleurs, Limbo, bah alors. On ne sait pas ce qu'il fait là, hein, d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il fait là, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, hein, c'est un personnage. Bah, pour ma part, je ne sais pas vraiment si c'est un garçon ou une fille, on ne peut pas trop savoir, on n'a aucune information sur Limbo. Bah, d'ailleurs, bah, cool, bah, je suis mort comme une merde de... Je suis mort comme une merde. Ok, je croyais qu'il y avait le bord. Voilà, déjà, c'est pour donner un petit avant-goût de ce qui peut nous attendre. Hein. Donc, le personnage, comme vous pouvez voir, ne peut pas nager, hein, ne sait pas nager. Donc, bah, d'un coup, on ne doit pas tomber à la flotte. Oui, donc, il n'y a aucun moyen de savoir si Limbo est un garçon ou une fille. Bon, de première vue, comme ça, on pourrait plutôt dire que c'est un garçon, mais... Mais au final, bah on sait pas trop si c'est vraiment un garçon ou pas. Et donc voilà. Alors c'est un jeu en noir et blanc et je trouve ça vraiment intéressant parce que... Bah j'ai pas vraiment d'expérience.
Oui, le mec qui n'a pas d'explication, qui n'a pas de justificatif de ses propos. Mais bon, voilà, c'est simple. Comme je le disais dans la vidéo de Praisy, ça n'a rien à voir, certes. Mais c'est simple, mais ça marche. C'est un jeu simple, mais qui marche vraiment. Le système en noir et blanc comme ça marche beaucoup. Et puis, le jeu est sans prise... Bon, si, il est un peu prise de tête, mais... Mais bon, comment dire, c'est pas de la prise de tête, comment dire, comment dirais-je, c'est pas de la grande prise de tête, je veux dire. Il suffit juste d'un peu, de réfléchir pour comprendre les épreuves et ne pas mourir. Donc voilà, on avance avec une forêt en noir et blanc que je trouve vraiment jolie. Je trouve ça vraiment bien fait. Donc, là je vais vous montrer pour l'exemple, mais ce que vous voyez ici, c'est des pièges à loups. Voilà. Hop, en voiture, on est mort, ça paraît logique. Et notre personnage ne peut pas sauter assez loin pour traverser les deux pièges à loups. Le principe, c'est tout simplement qu'on va devoir les décaler. Voilà. Encore une fois, c'est très simple. Et pourtant, je meurs. Ah, décidément. J'ai pas de bol. Je sens que je vais pas avoir de bol pendant ce let's play. Alors, hop. Yep. Mais c'est pas vrai! Oh non, mais je suis nul. Ok, là je me ressaisis. C'est que le début, faut se dire quand même. Mais c'est pas vrai! Comment je fais pour me prendre le machin? Eh non, mais ça va pas commencer comme ça. Non, je ne vais pas rager. Je ne suis pas là pour rager, c'est pas mon but. Bon, ok, là je suis. Oh non, mais non. Syndrome du filmeur, je vous le dis. Bon, là j'étais nul. Mais attends, on va quand même pas rester bloqué ici. Attends, si je reste bloqué ici, ça y est, je me proclame le joueur le plus nul de l'univers. Bon, voilà. Bon, là j'ai été nul sur ce coup. Là, je le conçois, j'ai été très nul. Bon, alors là, le principe est simple, on ne peut... Hop, je vais vous montrer vite fait. On ne peut pas simplement se balancer pour grimper en haut. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement faire ceci. Pas trop loin, genre ici. Ou c'est peut-être même un peu trop loin. Ouais, c'est bien ce que je dis, c'est bien ce que je pensais. Hop, voilà. Et comme, bon, je pense que vous l'avez compris. Voilà. Et donc voilà, le but est maintenant simple, c'est de se balancer et de tomber. Voilà, précisément, c'est exactement ça qui me plaît. Bref, hop. On attrape ça, on monte. Mais non, je voulais que tu te balances, Limbo. Enfin, ce qui s'appelle Limbo, c'est juste que c'est un garçon qui... C'est juste que... Non, c'est un personnage, pas un garçon, je vais y arriver. Et c'est un personnage, hein. On ne sait pas s'il s'appelle vraiment Limbo ou pas. C'est le nom du jeu, certes, mais bon, ouais. Alors, on arrive dans une sorte de grotte. On est dans une forêt. On est dans une forêt-grotte. Bref. Ah oui. Hop, donc là, on grimpe. Et donc là, on court. Parce que gros caillou. Voilà. Et donc, gros caillou avec petit enfant. Je pense que vous devinez si on serait resté ici. On serait fait bien éclasé. Bref, on y va. Allez, grimpe. Ça détend de jouer un jeu comme ça. Je pense que je vais mettre une petite musique de fond parce que si j'écoute bien. Et voilà, on entend juste un petit peu de bruit de vent. Oui, parce que j'ai pas le casque dans les oreilles, j'ai juste en dessous, j'ai sur mon cou juste pour le micro. Sinon, je ne l'ai pas dans les oreilles. Ce qui fait que je n'entends pas le son du jeu. Si vous avez bien compris. Alors, le principe est simple. On va devoir juste prendre la caisse. Donc, comme vous avez pu voir, il y a une liane en haut. Hop, on grimpe. Non, on ne saute pas. On grimpe et on fait tout simplement ceci. Et on se balance. Hop, voilà. Et on grimpe tel
tel un Tarzan, sur les branches. Alors, yep. Allez, Limbo. Je pense que... Enfin, je sais... Si vous avez des noms à donner à ce petit personnage, à ce petit enfant, hein, c'est un enfant, techniquement. Hein. Tout ce qu'on sait de lui, c'est un enfant. On n'en sait pas vraiment plus. Donc, si vous avez un nom sympa à donner à ce petit enfant, hop, voilà. Bah, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneur. Pour l'instant, on l'appellera Limbo. Parce que c'est le nom du jeu, tout simplement. Hop, donc s'il pouvait se rapprocher... Merde, voilà. Bon, voilà. Comme je vous l'ai dit, notre personnage ne sait pas nager, donc il coule. Hop, voilà. Hop, et là, on grimpe. Et on fait attention à ne pas mourir. Bon. Quand j'en regarde pas le temps, je pense que ce sera aussi fait par session. Pour la simple et bonne raison, comme je vous l'ai dit, on se détend, on se prend pas la tête. Bref, vous voyez, il y a un piège à loup ici. Et donc là, araignée. Donc là, le but est très simple. On va devoir faire ceci. Donc vous voyez, le piège a bougé, donc c'est simple, avec l'araignée, il faut faire trembler le sol pour faire tomber le piège. Alors, vas-y. Merci. On va passer de l'autre côté. Et on avance le piège à loup. Je pense que vous avez compris ce qu'on va faire. On va tout simplement hop, mettre le piège pour qu'elle puisse hop, tomber dedans. Ah, juste à côté. Ah, je suis dégoûté. Ah non, je suis encore à côté. Ah non, c'est bon. Hop. Et on va devoir le faire 3 fois. Voilà. Et ici. Hop, voilà. Alors ça, on peut se faire avoir au début, hein, quand on connaît pas le jeu. Mais bon. Elle attaque directement. Oh, genre, tu n'es pas touché. Bref. Et vas-y. Hop, c'est bon là. Voilà, donc elle a cassé le piège à loup et. Voilà, elle fuit. Au revoir, madame l'araignée. Alors. Écoutez, on est. Donc voilà, ça fait par forme de chapitre. Hein. Pour vous dire, on en a déjà fait. Si je... même oui là c'est très petit donc je vois pas très bien. On a déjà fait 5. Écoutez, je propose qu'on en fasse un petit dernier. Puis que bah on s'arrête là pour l'instant. Parce qu'on a pas mal avancé. Hein. C'était une petite vidéo pour vous montrer hein, tout simplement. Ah non. Bah vous savez quoi, non, on va pas s'arrêter maintenant, on va s'arrêter à un endroit spécifique. La vidéo sera plus longue, hein, je le conçois, elle sera même beaucoup plus longue, mais j'ai envie de m'arrêter à un point spécifique, tout simplement, parce que vous allez voir. Et bah hop, l'araignée nous prend. Hein. Oh non, ne mange pas madame l'araignée. Elle est bimon. Elle nous enfile. Elle nous entoile. C'était nul. Bref. On va attendre qu'elle s'en aille. Hop. Et là, ce qu'on doit faire, tout simplement, c'est bouger. Bouger dans tous les sens. Hop. Voilà. Et là, on doit tout simplement hop, avancer. Donc, et là, ça va être un peu plus dur pour avancer. On doit déjà sautiller et puis faire des grands sauts. Et bien, je pense que vous devinez, mais on n'a plus la commande action. Bref, ouf. Et on va rester comme ça pendant 2-3 chapitres, je crois. Donc la vidéo sera un peu plus longue. Mais bon, c'est ça qui est bon. De toute façon, je vous couperai. J'en étais sûr, mais attendez. Mais je pense que je vous couperai la vidéo en deux. Hein. Ce sera pas des vidéos très longues, je pense, de Limbo. Hein. Faut pas déconner non plus.
Mais non! Mais pourquoi, Jeff? Pourquoi tu n'as pas traversé Limbo? Mais bon, tu es aveugle, certes, mais voilà. Je cherche une excuse, ça va? Attendez. Alors, attendez. Non! Non, j'ai pris beaucoup trop d'élan. Ah là là. Bon. Alors, c'est... Et c'est parti! Oui! Yes! Hop. Oui, on doit rester appuyé. Bah oui, ça paraît logique! Et bim, bah la tête la première dans le vide. Alors quoi que, est-ce que c'est du vide ou c'est de l'eau? J'ai l'impression que c'est de l'eau en fait. Faut bien que je reste appuyé, voilà. Donc là, on va faire bouger la boule. Qui, ma foi, est un caillou. Hein, donc... Ah oui, donc là, le principe est simple, c'est qu'on doit bouger, bouger, bouger. Voilà. Faut pas se faire écraser. Hop. Alors, le principe ici est très simple. On va devoir faire bouger la boule en avançant. Oui! Ah bah attends! Oui bah j'arrive, 2 secondes! Hop donc. Oula. Alors là. Ah oui, je suis désolé, j'ai dû faire une pause. On va devoir sauter et bim, esquiver cette vilaine araignée. Et voilà! Le principe était très simple. Voilà, relève-toi Limbo. On va juste enlever cette toile d'araignée qui est pas terrible sur Limbo. Voilà. Et ben on termine très bien cette vidéo. On se termine sur un magnifique pendu. Bref. Et ben c'est sur cette. C'est sur ce. Bah, c'est sur ce, voilà. C'est sur Magnifique Pendu, comme je le disais, qu'on va arrêter cette première vidéo, ou première session, ça dépendra en fait du temps que la vidéo fera, hein, tout simplement. Bah, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette ambiance plutôt détente, plutôt détendue, vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce let's play, enfin, si, cette, comment, si ce jeu vous plaît. À donner votre avis sur ce jeu d'ailleurs, hein. c'est pas une bonne chose aussi, hein. Donnez votre avis sur les jeux qu'on fait aussi, pour voir si les jeux qu'on fait vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, si vous en avez envie, à vous abonner si vous voulez suivre ce jeu ou nos autres let's play ou vidéos. Si, comme je le dis toujours, vous en avez envie, allez voir notre Twitter, parce que bon, on publie des trucs à l'avance, on publie quelques trucs de temps en temps. Voilà, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Je sais plus où est-ce que j'ai dû entendre ça. Oui, c'était sur Cyprien Gaming, ça n'a rien à voir, bref. Et surtout, encore une fois, très important, je vais dire ça à chaque fin de vidéo, mais c'est pas grave. Allez voir les vidéos de Cuba. Tout simplement parce que, bah voilà, c'est très important d'aller voir ces vidéos. Même si lui n'a pas forcément le temps de faire plusieurs let's play en même temps. Même de faire des vidéos tout court. Bref, en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et donc, ciao. Et que la puissance du noir et blanc, que la puissance des télés noirs et blancs soit avec vous. Bref, allez, ciao les gens.